Bonjour à toutes et à tous, c'est Noki et on se retrouve pour la suite de l'épisode pas 5 j'ai envie de vous dire, mais donc de la suite de la série Retro Gaming sur Super Mario World. Et donc on était à la forêt, au château précisément, mais donc j'ai abandonné l'idée du château et on va tout simplement terminer ce qu'on va finir quoi. Je lui ferai peut-être à la fin en fait les niveaux qui me manquent, parce que même si je sais que c'est un peu plus simple de les faire tout de suite, j'ai peur que ça prenne un peu trop de temps et donc ralentir les épisodes en restant bloqué sur le même niveau quoi. Donc je vais faire les niveaux normaux et ensuite je vais faire tous les passages secrets, tous les passage qui me manque, et donc par la suite faire un super épisode où est-ce que je mettrai tous les niveaux qui me manquent, par exemple peut-être un peu de la route étoilée, un peu de la route étoilée, un peu de niveaux dans ce style là qui me manque, comme celui sur le pont de l'épisode 4 que j'essaie 5-6 fois. Donc là, on avait déjà vu le passage secret. Alors, on va y aller à Donf. En fait, il me semble que c'était ce niveau-là, on l'avait déjà fini en fait. Mission. Ah non, on l'avait pas fait. Donc voilà, donc là on continue. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On va voir ça tout de suite. Ah oui. Donc là c'est un niveau un peu spécial parce que donc, en fait il y a des bobs en bulles qui se baladent et donc qui sont un petit peu cheatés. On trace, mais en fait ça marche pas trop. Et voilà, un petit champi gratos. Non, Yoshi. En fait, la technique c'est de vite casser les petits blocs. Et donc ainsi permettre pas petite fleur quelque part là-dedans là. Zut. Tuyau. Oh non. Donc en fait là pour débloquer la clé fallait que j'ai un champignon. Et malheureusement je ne l'ai pas. Donc j'ai même pas réussi à finir le niveau en prenant le truc correctement. On voit que ça débloque le chemin qui sert à rien. Qu'à recommencer le niveau précédent. C'est vraiment la forêt d'illusion. On ne refile que des niveaux
enfile que des niveaux à double entrée un peu. Zut. Voilà, ça nous fait un champion. Enfin, j'essaie de regarder en fait ça. Dès que je peux. On s'en va. Parce que si Yoshi tu meurs pas, hein. T'as pas intérêt. Oh là là. J'ai peur pour mon ami. Et zut. Oh là là. Bon, au moins j'ai mon champi, j'ai envie de vous dire. Mais bon quand même. Ah, c'est bon, ça passe. Tout passe, ça passe, ça passe, c'est pas là. Alors. Cool. Ah, freeze, lag. Ah, c'est là. Oh. Oui, enfin. Là, on a récupéré la clé. On l'a mis dans la serrure, ce qui est logique. Et ça nous débloque la suite du niveau. Donc ça nous amène au château 5. Et voilà. On y est presque, on y est presque. Oh là là. Alors ça, c'est un truc classique. Dans beaucoup de Mario, il y a ce genre de truc. Avec la plateforme qui bouge. Alors là, elle va très vite. Elle est pas très grosse. Voilà. Quelle carotte. Ah, voilà, retourne dans le bateau. C'est vraiment aléatoire les. Espèce de. De flammes qui sortent de la lave, c'est vraiment aléatoire. Ils peuvent se retrouver là comme entre les deux et qui rebondit entre les deux murs, et c'est franchement cheaté. Alors. Oh, ça va, c'était court pour un niveau 5. Oh, donc ça va, on se retrouve contre le même style de boss que. Voilà, bon, on a juste mis une raclée quoi. C'est en fait un des boss les plus simples du jeu. Tu peux l'avoir en un coup, sans qu'il. Enfin, en un coup, en un aller, sans qu'il te touche. Et voilà, c'est juste un tout petit peu cheaté. Alors, Mario a trouvé la voie pour sortir de la forêt des illusions et a mis un terme à Roy Koopa du castle, donc du château numéro 5. Après Onward, j'ai aucune idée. Oui, c'est-à-dire peut-être faire attention ou. Ouais, Onward to the Dangerous but Tasty Chocolate Island. Grand nom. Pas mal. Donc. Voilà, à Chocolate Island. Donc, on va. Je vais peut-être d'abord terminer. Quand même le château, étant donné que quoique c'est l'épisode 6, faut quand même faire du monde 6, sinon c'est pas l'épisode 6. Allez, on va commencer par ça et puis on verra ensuite. Donc là on voit les dinosaures,
sont marrants. Pas du tout des têtes de dinosaures, enfin, si quand même. Mais... les Rapticis. Oh le connard. Oh là là. En plus j'ai réussi à perdre ma plume. Saleté de ce canard de merde. Et oui je rage. Tiens mange. Voilà, on a récupéré un petit champi. Alors ils sont très dangereux quand même. Parce que, je sais pas si vous avez vu, mais ils changent de côté instantanément presque. Alors c'est pas là. C'est pas là. Ça c'est pratique. Et ça aussi. Petit tuyau, c'est sympathique. Poissons piques qui ne servent à rien. Voici la maison fantôme et c'est parti mon kiki. Je vous disais que ces personnages là étaient très embêtants. C'était pas pour rien. Puis eux avec leurs flammes maudites sur la tronche. Ouais, vas-y, tombe. Oh là là, j'ai trop vite, j'ai pas le temps d'appuyer sur le truc pour monter. Ouais, c'est pas grave, on y retourne. Par contre, là, pas question de se prendre le truc. Ouf, ils sont pile poil à la hitbox. Voilà, hop. Allez, on y go. Là, toi. Faut pas que je me prenne rien du tout. Et zut, oh, putain. Quel fail. Enfin fail. Oh là là. Je cache pas que je stresse un peu. Je vais peut-être un peu trop vite. Alors, ah, je vous ai pas encore... non, en fait, j'ai rien à dire. À part que on avait commencé en fait une map aventure au même endroit. On a commencé une map aventure avec Chaos. Et donc je pense qu'elle sera publiée en même temps, voire... peut-être avant même cette vidéo là, donc je sais pas pourquoi je vous le dis ça tout de suite, mais donc on a tourné une map aventure avec Chaos. J'en ai une en train de d'être tournée aussi, donc parce que je serai tout seul, et donc il y a l'épisode 3 aussi de Minecraft Hardcore qui va sortir.
qui va sortir quand Clado aura mis l'épisode 2 en ligne. Hop. Au moins j'ai l'avantage de l'avoir déjà fait. Allez hop, mange-toi ça. Allez, oups, là, c'est parti. C'est vrai que tout à l'heure, elle était verte. Là. Voilà. Allez, c'est... Ouais, mais non, faut y aller dedans, en fait. Allez. Et d'accord, ils sont gentils. Ils sont très gentils. Je me file un tuyau qui va pas jusqu'au bout. C'était fait exprès pour qu'on meure. Les petits salopios. Ce coup-ci, il est vert. C'est vraiment très étrange. Ah, ce coup-ci, tu vas loin, tu y vas. Hop, là, on y va. Oh yeah. C'est pas comme si j'avais perdu toutes mes vies sur le niveau que j'avais fait, mais c'est pas grave. Et c'est reparti. Parce que si, faut que je la réussisse. C'est mal barré. Allez, encore mieux. Oh là là. Et quel bol de ouf. Je passe au travers la map. C'est de la pure magie. Pourquoi j'ai pas sauté moi? Je n'avais rien dit. Hein. T'as réussi à réussir, je sens que j'ai une grosse pression et c'est mal barré. Non, on ne saute pas, on ne saute pas. Ah. Bon, déjà, ça fait un truc de fini. Oh purée, je l'ai même pas eu.
essayer déjà de faire finir le niveau normalement. C'est moi que je récupère des vies, hein, franchement. Heureusement. T'as arrivé avec une cap ce coup-ci. Oh yeah! Énigme pour la fin, donc ouais, fallait prendre les bouts comme bloc, c'est bizarre, mais c'est bizarre. Au moins, ça fait une petite sauvegarde au cas où on meurt. Alors, attention, explication. Alors, ici, les pièces que vous collectez ou le time qu'il vous, le temps qu'il vous reste. Changer la progression. Pouvez-vous trouver la salle de l'arrivée spéciale cachée en fait? Pardon. Pouvez-vous trouver l'arrivée cachée? Donc en fait, faut que j'arrive avec un temps spécifique ou quelque chose en particulier en fait pour débloquer la sortie cachée. Là, on voit que j'ai rush à peu près de la même manière et je suis arrivé au même point et je suis encore mort de la même façon aussi. C'est beau, c'est beau. Allez, ma dernière vie. Ça, ça commence le monde 6 en beauté, pas de mort. Arrêtez de mourir bêtement.
Allez, encore le même passage. Je sais plus c'est comment qu'il faut faire, il me semblait qu'il fallait rush. Allez, on continue. Alors, voyons voir. Alors, il me semble que oui, il fallait faire ça. Et voilà, c'est ça. Donc en fait, fallait bien foncer sans prendre presque aucune pièce de manière à débloquer donc le passage caché. Donc il reste, donc là on est à 26 minutes, donc je pense que je vais arrêter là. Et donc après ce petit déblocage caché, on se retrouvera au prochain épisode. Oula, pardon, excusez-moi. On se retrouvera au prochain épisode, qui sera probablement l'avant-dernier si on compte pas les bonus. Et donc je vous remercie de suivre et d'avoir regardé cette vidéo.